Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va nickel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on lance opération setup de Noël. Let's go. Comme je disais sur ma dernière vidéo que vous pouvez retrouver juste là, ou là, ou là, ou là, je lançais opération setup de Noël au mois de décembre. Et allez, on y est déjà. Que le temps passe vite, franchement, que le temps passe vite, très très vite, je le vois pas passer. Donc, je vous explique comment ça va se passer. C'est très simple, franchement, c'est très simple, c'est pas compliqué, tout le monde peut y participer les amis, tout le monde peut participer, même ceux qui sont pas abonnés peuvent participer au concours. Mais bon, c'est mieux d'être abonné quand même, je l'avoue, c'est mieux d'être abonné. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Très important. Et mettre le petit pouce, ça va être la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Chut. Revenons à Noël. Donc, pour participer, c'est très simple. Il faudra rentrer dans mon Discord. Vous pouvez retrouver mon Discord dans la description, les amis. Voilà. Et ainsi, tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'ajouter sur tous mes réseaux sociaux. Voilà. Donc, une fois vous êtes rentré sur mon Discord, il y a un salon dédié setup de Noël. Donc dans le salon, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très très simple. Que vous ayez un PC, une console ou un endroit à vous que vous jouez, n'hésitez pas à le mettre en couleur de Noël les amis. Vous aurez compris. Il faudra mettre soit votre PC, soit votre console, ou soit je dis votre coin gaming comme j'appelle, aux couleurs de Noël. D'accord? Si vous n'avez pas un setup, c'est pas grave les amis, vous pouvez participer quand même. Si vous avez un coin pour jouer, n'hésitez pas à le transformer en couleur de Noël, tout simplement. Que vous jouez sur télé, écran, même sur la suite, donc peu importe. Vous le décorez au thème de Noël et vous prenez une photo, voilà, ou plusieurs, peu importe, et vous le mettez dans le salon setup de Noël. Et moi, je ferai une vidéo avec vos photos que vous m'avez envoyées, voilà. Et le meilleur, je dis bien le meilleur setup décoré de Noël, il gagnera un cadeau. Je dis pas encore quoi, parce que ça sera la surprise de Noël. Donc, le concours se déroulera du 3 au 31 décembre. Vous avez largement le temps de décorer votre setup aux couleurs de Noël. D'accord? Vous avez largement le temps. Donc, je vous laisse du 3 au 31 décembre pour participer au concours de Noël. C'est la première fois que je fais ça. Franchement, j'avais envie de le faire. Parce que je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée. Voir un peu votre setup et tout et tout. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, je sais qu'est-ce qu'ils vont me dire. Toi, tu vas montrer ton setup? Oui, je montrerai mon setup pour la première fois. Pour la toute première fois, les amis. J'ai jamais montré mon setup. Pour la toute première fois, je montrerai mon setup de Noël. D'accord? Je vous le promets. Ok? Jouez, tentez votre chance. Tout le monde peut gagner. Franchement, tout le monde peut participer. Et tout le monde a sa chance de gagner. D'accord? Même s'il y en a qui disent, ouais, moi j'ai pas de setup de ouf, tout ça, je m'en fous. En fait, c'est pas vraiment le setup que je vais regarder. C'est la décoration. C'est la décoration. C'est pas vraiment le setup que je vais regarder. C'est la décoration de Noël. Ça, c'est le plus important. Même si vous avez une console, mettons, vous avez une console et une télé. Et si vous avez bien fait la décoration, vous pouvez gagner. D'accord? C'est pas vraiment le setup que je vais regarder. C'est vraiment la décoration. D'accord? Vous l'aurez compris comme ça, tout le monde a sa chance de gagner. Je vous l'ai dit, vous avez le droit à plusieurs photos, je m'en fous. Moi, arrivé vers... je vais vous dire, la vidéo, elle sortira vers le 5 à peu près. À peu près, par là. Et dans la vidéo, j'annoncerai le gagnant du concours de Noël. Et je passerai toutes les photos que vous avez envoyées, toutes les photos en vidéo. Plus mon setup, je le ferai en photo. D'abord, je le ferai voir en photo, en couleur de Noël, voilà. Et je ferai une autre vidéo où je te présenterai vraiment en détail tout mon setup. Donc, maintenant que Noël est clos, je tenais aussi à faire une annonce. Vous êtes doué si vous y connaissez en montage vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé parce que moi, je recherche un monteur vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés sur mon Instagram. Il sera pareil en description. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et moi, je discuterai avec vous pour savoir un peu si vous vous débrouillez bien et tout et tout. D'accord? Voilà la petite annonce que je voulais faire. Je voulais aussi vous dire un truc. Bah, plusieurs trucs même. Donc, premièrement, je voulais vous dire, je tenais à m'excuser. Parce que j'avais deux projets, mais malheureusement, les deux projets sont tombés à l'eau. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, je devais faire le journal des abonnés et le journal des youtubeurs. Je les ai tournés. Franchement, je les ai tournés. Mais ils verront jamais le jour sur la chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit... J'ai peur, en fait, j'ai peur, je vous le cache pas. J'ai peur qu'il y en a qui se plaignent à YouTube. Parce que ça se peut, hein, qui se plaignent à YouTube. Que je les piquais leur contenu. Vous voyez le truc? Et que moi, je prends derrière des strikes. Et du coup, j'ai réfléchi, je préfère ne pas le faire. Je préfère pas le faire. Voilà. C'est comme les analyses de chaîne, les amis. J'ai décidé d'arrêter aussi les analyses de chaîne. Je suis désolé parce que je sais que ça aide vraiment beaucoup certains d'entre vous. Ça vous met en avant et tout. J'ai préféré arrêter aussi de faire les analyses de chaîne. Pareil pour le même problème. J'ai peur qu'il y en a qui se plaignent ou il y en a qui n'aient pas la critique. Parce qu'il y en a forcément, quand on fait des analyses de chaîne, forcément on critique aussi, hein, j'avoue. Même moi, ma chaîne, elle n'est pas parfaite non plus, hein, les amis. Mais après, sachez que les critiques, ça aide et ça aide à avancer. Sachez-le aussi. Donc, j'ai décidé d'arrêter les trois trucs. Parce que, bon, pas prendre de risques, je suis désolé. Mais, il y a d'autres projets qui vont arriver. Et là, eux, ils verront le jour, forcément. Mais j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Vous verrez, après les fêtes, ça s'annonce du lourd. Parce que je vais faire des nouveaux formats. Des nouveaux formats que j'ai jamais... Que je vais tester. Je vous en dis pas plus, mais sachez que je peux vous dire un indice, ça sera sur le but des défis. Pas moi, je lancerai des... Vous verrez, je lancerai des défis à certaines personnes et je les ferai en vidéo, mais j'en dis pas plus. Vous verrez. Vous inquiétez pas, là il va y avoir le concours de Noël, peut-être qu'il y aura d'autres surprises, on sait jamais. Au fur et à mesure, vous savez que moi je préviens jamais quand il y a un live cadeau, je ne préviens jamais ou bien je préviens toujours à la dernière minute. Donc restez vigilants parce que ça peut arriver. On ne sait jamais. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui est officiel? C'est le concours de Noël. J'espère que vous allez être nombreux et nombreuses à y participer. Tout le monde, je vous dis, tout le monde a sa chance de participer. Et ne dites pas, ouais, mon setup est pourri. Non, ne dites pas ça. Participez, d'accord? Participez, voilà. Moi, il n'y a pas de setup pourri. Tout setup vaut le coup de voir, d'accord? Mais je vous l'ai dit, c'est Noël. Et Noël, c'est le signe de décoration de Noël. C'est pas le setup qui compte. C'est les décorations de Noël, d'accord? Et si vous n'avez pas de setup, vous pouvez participer quand même. En montrant votre décoration de Noël. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est à vous d'imaginer des décorations. Voilà, je vous laisse faire, vous avez carte blanche. Tant que je vois les décorations, moi ça me va. Donc, let's go. Bonne chance à tous. Vraiment bonne chance à tous. Moi, je vous dis dans un prochain live. Pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Et à bientôt. Salut salut.